C'est la matière première que nous appelons en langue forgeron quoi. C'est ça là. On met au four pour obtenir le fer. Mais c'est avec cet instrument d'abord que nos anciens nous ont montré qu'il faut aller chercher en brousse. C'est avec ça qu'on observe le coin où c'est là pour qu'on creuse. On peut creuser à profondeur de 6 à 7 mètres pour avoir ce caillou là. C'est pas étalé partout, c'est des points bien distingués. On a ça maintenant. On revient maintenant au four. On va chercher du charbon. Le charbon qui est là. On vient au four et on les casse. On les casse à petits morceaux. De toute façon, il est en train de casser à petits morceaux. Maintenant, on vient au four, voici le four, on fait remplir, il y a une certaine quantité qu'on mesure, ces cailloux et le charbon, on le mélange, mais pour l'allumer, il te faut prendre peut-être 3 heures de temps pour que ça s'allume. Quand c'est fermé, pour que ça s'allume, il faut peut-être 3 heures de temps pour que ça s'allume. Et pour obtenir le fer aussi, il faut passer 72 heures pour avoir à peu près un certain nombre de poids de fer. Puisqu'il faut mélanger nombre de cuvettes de matières premières et nombre de charbon jusqu'à 72 heures. À 72 heures maintenant, on vient rouvrir. Si on ouvre, on obtient ce qu'on a ici, le fer. Mais avant d'avoir ça, ce caillou, il y a les ingrédients qui sortent, qui est l'eau et puis les déchets. Les déchets sortent par là. Voici, ça a 4 trous. Les déchets sortent ici. L'eau coule ici. L'eau du fer, là, voici ça, c'est des déchets. Mais ça sort avant d'obtenir le fer qui est là. Le fer, voici le fer. Voici le fer. C'est ce caillou que vous avions montré tout de suite là, qui a ça. Voici les récipients qui nous servent à mesurer le charbon. Le charbon. C'est-à-dire, une cuvette de ça est égale à une cuvette de ça pour mélanger dans le four. Voilà. Maintenant, voilà, pour si on a déjà ça, voilà le ligament qui nous sert à faire sortir ce fer dans ce four. Pour le tirer, faire sortir. Voilà, ça aussi, on va chercher ça en brousse. Très fort, ça va s'en faire sortir. Mais maintenant, en le faisant, on a des totems entre nous. Si ça, tu es en rouge ou bien tu peux pas t'approcher, mais il y a ces totems là que nous, il y a des interdits. On peut pas tout dire. Il y a des interdits. Voilà. Voici les instruments. Quand c'est chargé, voici les objets que nous appelons les. Fabriquons à base de terre. Ça, c'est les ventilateurs. Nous les appelons les boali en langue forgeron. C'est ça qui fait ventiler l'air rentre pour faire brûler le charbon et puis se fait. Ça va être cet instrument, on les fabrique.